Bonsoir. Bonsoir, monsieur Claude. En tant qu'Africain, j'aimerais vous poser une question. Que dites-vous sur la situation politique au Congo, RDC? Ah, merci pour cette opportunité. Et la situation en RDC Congo, c'est-à-dire Congo-Kinshasa, comme on l'appelle communément, je pense que vous faites allusion aux élections, à l'élection présidentielle qui vient de se passer. Voilà. Et la Cour constitutionnelle vient de donner son verdict. Bien sûr. Ils ont dit que c'est Tshisekedi qui a gagné. La commission électorale indépendante a dit son verdict que c'est Tshisekedi qui a gagné. Moi, je pense que en Afrique, nous devons commencer par nous respecter nos institutions. On ne peut pas avoir les institutions dans nos pays et entendre ou bien attendre le dictat d'une puissance pour nous dire qui a gagné votre élection. Je sais que vous faites aussi allusion à l'intervention de la France. Je pense que dans cette histoire, la France se mélange les pédales. Pas plus tard qu'en été passé, quand les Togolais ont interpellé Macron, Macron a dit que les problèmes africains ne concernent qu'aux Africains et que c'est aux Africains de traiter leurs affaires. Mais pourquoi subitement Macron fait éruption dans l'affaire ou bien pourquoi subitement la France fait éruption dans l'affaire de Congo RDC ou bien RD Congo? Oui, mais voilà, c'est ce qu'on a remarqué. Oui, voilà. Oui, pour dire que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné. Je pense qu'il est temps que la France laisse l'Afrique aux Africains. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Bien sûr, personne n'est parfait. Mais dans cette imperfection, je pense que l'Afrique retrouvera son chemin. Nous n'avons pas à prendre des dictats de la France. Pourquoi au Togo, ils ont permis le clan Yassingbé d'organiser le chaos? Et c'est là-bas qu'on a l'impression que la France ne veut que du chaos. La France ne veut que du chaos. Au moins en Congo, Kinshasa, il a eu une participation de l'opposition. Au Togo, où il n'a même pas eu un seul opposant aux législatives. Qu'est-ce que la France a dit? Elle n'a rien dit. Pourquoi la France n'a même pas fait sortir un communiqué pour condamner ce qui s'est passé au Congo et au Togo? Et là où, au Congo, où tout le monde a vu, le président sortant a accepté la défaite de son poulain et la France vient maintenant nous dire que ce n'est pas lui qui a gagné. Qu'est-ce que la France veut de l'Afrique? Parlons du Togo, moi je pense que le problème du Togo, ce n'est pas Faure Gnassingbé, à mon avis, c'est mon avis personnel. Mais ce qui se passe au Togo, c'est plus que ce que vous croyez, c'est plus que ce que vous connaissez. Ça, c'est un avis personnel, encore, je l'ai dit. Et il y a eu des élections législatives. L'opposition n'a pas participé à cette élection. Et il y a eu, avant ça, il y avait des, comment vous appelez ça, il y avait des pourparlers avec les pays voisins, le Ghana, la Guinée. Qui se sont impliqués. Et puis le Nigeria et tout. La France leur a dit de vous parler, c'est ce qu'on a cru entendre. Et après, il y a d'autres qui sont allés à l'élection législative. Le résultat est sorti. Et maintenant, il y a un calme total. Et c'est quoi la suite? Que pensez-vous de tout ce qui s'est passé au Togo? Oui, d'abord, calme, non, je ne dirais pas le calme. Bon, je vais commencer par le début. Je pense que la situation du Togo, comme vous le dites, c'est une situation complexe. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, traditionnellement, et le 1er janvier ou bien fin décembre, les présidents de la République viennent présenter leurs vœux à leur population et puis leur présenter leurs perspectives d'avenir, leur programme d'avenir. Voilà. Mais comme vous le dites, là où je suis un peu d'accord avec vous, un président de la République qui ne trouve pas nécessaire de parler à son peuple, Faure Gnassingbé, on ne sait même pas là où il est. Il ne parle pas à son peuple. Donc, quelque part, on a l'impression qu'il a une force, quelque part, qui dirige le Togo et non celui-ci. Parce que si on est conscient que c'est mon peuple,
que je dois aller devant mon peuple pour demander, comment on appelle, son support lors des élections présidentielles ou bien législatives. Je pense qu'on doit toujours continuer ou bien constamment faire la cour à ce peuple-là. Mais un président qui ne juge même pas opportun de parler à son peuple, ça voudrait dire qu'il compte sur quelque chose. Mais tous les Togolais savent aujourd'hui que la situation du Togo est une situation inédite. Parce que aujourd'hui au Togo, c'est un croisement d'intérêts. Il a les Français qui ont les intérêts, il a les Américains qui ont les intérêts, il a les Allemands qui ont les intérêts, il a la France qui a ses intérêts. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est toute une confusion. La communauté internationale qui est censée dénoncer des gabégies, des atrocités du régime, souvent dans le temps, on a vu comment l'Union européenne prend quand même position. Mais aujourd'hui, au Togo, on fusille les enfants, on tue les gens, on lance les gaz lacrymogènes dans les écoles. Et la communauté internationale, la France, tout le monde, ils ne disent rien. Mais le peuple continue quand même par se battre. Bon, le calme, non, je ne dirais pas que c'est le calme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non, je pense que l'opposition ne lâche pas. Et déjà, le 26 prochain, il a une marche gigantesque qui se prépare sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est un régime contesté. Le Togo aujourd'hui, l'économie du Togo est à rouge. L'économie du Togo est à rouge. Et je pense que si nous continuons par aller dans ce sens-là, je pense que les choses vont s'exploser. Mais pourquoi encore une marche? Il y a eu plusieurs marches et ça n'a rien donné. Les gens sont morts et pour rien du tout. Et pourquoi encore des marches? Vous pensez que ces marches vont régler un problème? Oui, je pense que ça va régler, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque temps qu'on annonce les marches, le régime panique. Ils rentrent dans les maisons, ils tabassent les gens, ils ont perdu leur tête. Et comme le disait un auteur qui disait que lorsque les dieux veulent les détruire, ils leur ôtent d'abord la raison. Et je pense qu'ils ne peuvent pas continuellement et indéfiniment continuer par battre les gens comme ça. À un certain moment, et dans le cas même du régime, les gens vont se dire non, il est temps que nous aidons à libérer ce pays-là. Et c'est là-bas que je fais appel à notre armée. Bien sûr, même si cette armée n'a pas une ossature comme les Togolais veulent, mais c'est des fils du Togo. Vous voyez ce qui se passe. Une armée qui n'a pas d'engin. À chaque temps, c'est comme ça que les soldats font des accidents avec des engins qui datent des années 80, 90, tout ça là. Nous voulons aussi avoir une armée professionnelle. Aujourd'hui, au Togo, quand quelqu'un il est militaire, dès qu'il est retraité, il ne peut même pas rester à Lomé. Il se retrouve dans son village où il n'a même pas de maison. Mais est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? C'est là-bas que j'appelle au patriotisme de notre armée. À un certain moment, la constitution togolaise le permet. Quand le pays va aux dérives, l'armée a quand même cette opportunité d'arrêter ça. Moi, je pense que, puisque je l'avais dit tout à l'heure, le problème n'est pas au niveau de Faure Gnassingbé. Il faut laisser Faure Gnassingbé tranquille. Et je pense qu'il faut quand même lutter à résoudre le problème des institutions, créer des institutions qui gouvernent, mettre la loi au-dessus de tout le monde, essayer de faire ça, ça ne sera pas facile, mais essayer de faire tout ça d'abord, avant de parler de... Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et peut dire fort, quitte le pouvoir et tout, c'est un peu difficile. Vous avez déjà vu ça, il y a eu des morts, mais personne ne dit rien. Ça devait vous donner une leçon. Et il faut déjà essayer de le pousser le gouvernement à créer des institutions. Et tout doucement, sans institutions vont le faire partir, doucement. Et quand il part, il sait qu'il est couvert par ses institutions, lui aussi. C'est ça, Monsieur Claude, merci. Comme vous-même, vous connaissez la nature du Togolais. Le Togolais n'est pas d'une nature violente. Faure Gnassingbé, c'est un fils du pays. Il peut ne pas être président et rester en République togolaise en tant qu'un ancien chef d'État. Qui peut être consulté. C'est tout ce que nous voulons. Quand la CEDEAO est venue, la CEDEAO a parlé des réformes. Ouais. On a parlé des réformes, revoir la liste, un recensement inclusif. Ouais. Il a parlé de réformes de la Cour constitutionnelle. On a parlé de, comment on appelle, le découpage, le problème du découpage électoral. Tout ce truc-là, c'est toute une ossature. Mais le régime a tout fait pour faire le blocage. Il faut voir les élections qui viennent de se passer là. Il n'a même pas un iota de ces réformes-là prescrites par la CEDEAO qui a été prise en compte par ce régime. Ils ont forcé pour aller aux élections.
Mais l'opposition dit non, il faut avoir des réformes. Ce n'est pas, les réformes ne sont pas dirigées contre un parti ou bien une personnalité quelconque. Faisons des réformes pour qu'il y ait d'apaisement dans le pays et allez-y aux élections. Je pense que ça ne serait pas difficile. Ouais. Alors, pour finir, en tant qu'Africain, comme je l'avais dit tout à l'heure, que pensez-vous de la situation politique en Côte d'Ivoire? Bientôt les élections présidentielles, dans 2 ans bien sûr. Il y a Guillaume Soro qui est là. Il y a Alassane qui se retire selon ce qu'il a dit. Il y a Gbagbo qui se trouve en prison, qui a été presque libéré, mais toujours en prison. Il y a toutes les forces politiques. Il y a la population. Et quelle est votre opinion sur la politique en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est après ou bien dès l'annonce de la libération de Gbagbo, et président Gbagbo et puis Guillaume Soro, je pense que c'est une nouvelle... Pas Guillaume Soro. De Charles Blé Goudé. Voilà. Je pense que c'est un nouveau chapitre de la politique ivoirienne qui est en train de s'ouvrir. Et puis c'est très intéressant. Je pense que désormais le débat sera un peu étendu. Voilà. Ça sera plus démocratique. Et je pense actuellement, comme on le dit, politiquement, il a un petit problème de croissance entre Ouattara et puis son poulain Guillaume Soro. Moi, je pense que la sagesse recommande que Ouattara finisse son mandat et puis qu'il parte. Parce que même avec tout ce qui s'est passé avant que Ouattara ne vienne au pouvoir et jusqu'à présent, il n'a pas eu des apaisements totaux. Et je ne pense pas que ça va dans l'intérêt du président Ouattara d'encore envenimer la situation. Il va de soi, ou bien il a intérêt à faire en sorte qu'il ait une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire participative, une Côte d'Ivoire inclusive, pour qu'au moins son départ ou bien son mandat soit inscrit comme un mandat non seulement de développement et de modernisation, mais un mandat de réconciliation. Je pense qu'il a intérêt à s'investir dans la réconciliation. Vous savez, la vie d'une nation, ce n'est pas seulement tracer les routes, construire les maisons et faire choses. Mais il faut quand même que dans les esprits des gens, quand même, les gens se sentent un peu à l'aise pour se pardonner entre eux. Et je pense que le travail qui reste au président Ouattara de faire, ce n'est pas encore tard, il peut le faire, apaiser la situation et se retirer. Mais il a essayé des faits de réconciliation dans le pays quand même. Oui, il a... Est-ce que ça a marché? Bon, il a fait. Vous savez, c'est un peu difficile quand certains sont en prison parce qu'aujourd'hui, il a des gens qui sont pro-Gbagbo qui se disent « Comment tu peux mettre mon père en prison et au même moment tu me demandes de venir parler avec toi ?» Je pense qu'il a cette frustration-là au sein d'une partie de la population ivoirienne. Et moi, je prie qu'avec l'annonce de la libération de Blé Goudé et le président Gbagbo, je pense qu'avec aussi un peu de volonté de la part du gouvernement actuel, qu'on peut arriver à quand même apaiser les choses. Il va de l'intérêt de tout le monde pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire apaisée. Parce que nous ne pouvons plus supporter. Il a le Togo qui souffre de gauche à droite, de ses institutions, de son gouvernement. On ne veut plus ouvrir encore un autre foyer de tension quelque part. Merci. Malik, oui. Et je vous rappelle que vous étiez en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique, Africa United Broadcast Television. Vous étiez aussi en direct sur l'émission, notre toute première émission qu'on appelle Opinion 365. Merci d'être venu. Bonsoir chez vous. Bonsoir, merci Claude. Merci et puis je vous souhaite une très grande aventure et puis un bon succès. Merci. Merci. Alors, que pensez-vous de la situation politique au Congo, RDC? Étant voisin du Congo, donc je pense que la vérité des urnes triomphe, que le meilleur gagne, celui qui a été élu, soit conduit comme président. Kabila a décidé finalement de céder le pouvoir et il a organisé l'élection présidentielle où
D'autres disent que c'est pas Tshisekedi qui a gagné, mais Kabila l'a placé là-bas. Que pensez-vous de cette situation? Ça serait difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas sur place et je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir faire une analyse logique. Mais ce que je recommande, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est là, qui a des éléments, peuvent décider à la place des Congolais pour nous dire réellement quelle est la vérité des urnes. Et ce qui se passe au Congo se passe dans bien d'autres pays de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est dans la bonne direction en ce moment? C'est quoi le problème de l'Afrique au juste? La bonne gouvernance est le problème de l'Afrique. Mais je crois que la conscience doit partir des Africains eux-mêmes pour pouvoir changer les choses. Okay. Vous pensez que c'est l'Afrique le problème? Puisque le problème se passe en Afrique, donc le problème ce sont les Africains. Okay. Et il y a d'autres qui disent que c'est la France qui est le problème de l'Afrique. Et quelle est votre opinion là-dessus? Comme je dis que ce serait difficile de juger sans éléments constitutifs, donc je dirais simplement que le problème est d'abord celui des Africains. Le linge sale se lave en famille. Commençons d'abord par l'Afrique et on pourra voir ailleurs. Merci. Je vous en prie. Je vous rappelle que vous étiez en direct sur AUB, la toute première radio-télévision des États-Unis d'Afrique, bien sûr. Africa United Broadcast Television. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Eh bien, c'était notre toute première émission, Opinion 365. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. À très bientôt.